Cette année, nous avons imaginé pour la première édition du Festival de Prades Pablo Casals un atelier créatif au cours duquel les enfants vont pouvoir peindre et laisser leurs traces tout en écoutant un musicien qui fait partie cette année des jeunes talents et qui joue tout au long de l'atelier. L'idée première que j'ai eue était de pouvoir intégrer les enfants à participer à ce grand festival de renommée internationale, de pouvoir leur donner l'opportunité de créer tout en mélangeant aussi les arts, la musique et les arts plastiques, et également de pouvoir mélanger les âges, puisque là cette année nous avons eu des enfants petits, de 3 ans et demi jusqu'à 12 ans. Les arts plastiques sont un autre moyen d'expression pour les enfants, c'est une autre forme de langage pour eux qui ont aussi parfois du mal à s'exprimer au travers des mots. Et finalement, les arts plastiques sont un moyen formidable de laisser une empreinte, une empreinte de sur le papier, et que finalement, notre rôle en tant qu'éducateur, mon rôle ici dans ce cadre-là est de savoir mieux écouter ce que les enfants ont à nous dire comme message au travers de leur production.